Du coup, si vous pouvez voter là, avec ce bouton, enfin là, ici, vous avez classement des joueurs qui ont le plus voté. Là, c'est ceux qui ont le plus voté, mais dans le staff. Voilà. Ici, vous pouvez voir les récompenses que vous pouvez avoir sur les serveurs en votant. Alors, contre les circuits 1.14, il y a les mêmes récompenses, je crois que j'ai regardé. Mais avec le circuit 1.13, c'est pas les mêmes récompenses. Voilà, mais je vous laisse regarder comme vous voulez ça, si vous jouez sur le serveur, ça avec cette là, l'adresse, là, le lien. Et de toute façon, soit j'envoie le serveur, vous pouvez demander au du staff le lien. Sinon, copier sur la vidéo, mais vous pouvez juste taper Stélicube et tout ça sur Google. Hein. Du coup, pour voter, vous cliquez là. Si vous devez vraiment, vous devez absolument être connecté sur le site pour récupérer les récompenses que vous avez eues pour plus tard, pour savoir pour plus tard, soit vous cliquez quand vous votez, vous avez fini de voter, soit vous cliquez sur récupérer la récompense, soit vous la récupérez plus tard. En fait, quand vous n'êtes pas connecté sur le serveur auquel vous voulez voter, par exemple, si vous n'êtes pas connecté sur le survie 1.14 numéro 1, et bah du coup, ça va automatiquement mettre pour plus tard. Aussi, si vous êtes connecté sur le site, vous n'avez pas besoin d'écrire votre pseudo avant comme ce que vous avez vu, parce qu'il y avait déjà marqué Loupière, j'ai même pas eu à le marquer. Là, c'est déjà marqué Loupière et une fois, je peux pas changer parce que voilà, parce que je suis connecté à mon compte. Du coup, bah voilà pourquoi. Vous créez votre compte, en fait vous devez mettre le pseudo, en fait c'est pas automatique, vous devez mettre votre mail, je crois, etc. le mot de passe. Du coup, quand vous votez, par exemple, vous cliquez là par exemple et tout ça. Mais si vous n'êtes pas connecté, bah et que ça pour plus tard, bah, déjà si vous n'êtes pas connecté sur le site, bah, votre récompense, vous pouvez lui dire au revoir pour toujours. Du coup, si vous êtes connecté, vous pouvez le récupérer normalement sur votre profil. Voilà, c'est un profil, vous avez vos détails personnels, pseudo, rang, balance membre, date de création, email, IP, monnaie, c'est quoi là ça. En fait, les stablecoins, on peut les utiliser pour acheter des trucs pour le serveur, là, pour sur le serveur, avec un peu de la monnaie, mais sur le site. Pour l'avoir, cette monnaie là, sur le site, ça, il faut l'acheter avec du vrai argent, dans la vraie vie. Et ça, bah, voter, mais c'est très rare. Oui, c'est rare. Et ici, vous avez le nombre de votes que vous avez fait. Moi, j'en ai fait 97. En dessous de action, en dessous du truc action, vous aurez vos récompenses pour plus tard. Enfin, moi, j'en ai pas du coup. Ça s'affiche pas. Ici, là, c'est pour changer votre passe. Ici, changer le mail. Et envoyer l'argent. Je crois que c'est pour donner du vrai argent, mais je sais plus trop. Je sais pas trop. Enfin, sur Excalia, c'était du vrai argent. Enfin, sur un serveur. Pas du vrai argent dans un monde. Du coup, c'était tout pour les votes. Moi, ce que j'ai gagné, c'est 2 fois 16 concrets, du coup, 32 concrets et 100 euros. Une fois, j'ai même gagné un trident. Ah. Du coup, je vais vous montrer ma base. Je fais slash home B. Pas bête, par contre. Le homemade, c'est pas moi qui ai mis, c'est déjà automatiquement. En fait, ça nous TP à notre lit, en fait. Ah. Voilà. Il vient d'ouvrir. Ça, c'est l'extérieur de la maison. Là, j'ai fait un espèce de truc avec des feuilles, ça. Il y a des bannières. Là, il y a ça, ça.
D'ailleurs, en plus, j'ai un conduit, mais je sais pas comment je vais faire pour la maison. Enfin, comment je vais faire, enfin, le style et tout ça, si je mets de l'eau à l'intérieur. Du coup, je sais pas trop en fait. Là, du coup, il y a Tam, et ça, le machin. Style 2. Ah oui! Ça, c'est un ascenseur en fait sur le serveur, on peut faire des ascenseurs comme ça. Ça doit exactement être comme ça. Après, vous pouvez prendre les blocs que vous voulez. Par contre, en dessous ici, vous êtes obligé de mettre du verre. À l'étage en haut, vous êtes obligé. Après, en bas, vous êtes obligé de mettre des blocs de minerai. En fait, plus le bloc de minerai est rare, plus l'ascenseur est rapide. Et si vous mettez des blocs de charbon, c'est lent. Si vous mettez des blocs de route, c'est bien rapide. Enfin, les blocs de redstone, c'est un peu rapide, mais le bloc d'or est plus rapide. Le bloc de fer, je sais pas comment, à quelle vitesse ça va, j'ai pas trop testé encore. Bref. Ah, du coup, il y a ma salle des coffres, ça, les fours, la table d'enchante, voilà, niveau 30, bien sûr. Une table ici, là. Si j'ai mis une table de craft ici. Oui, avant ma salle des coffres, enfin là où je mettais le stuff, c'était ici, mais j'ai changé de place là. Du coup, j'ai enlevé les trucs rares, ça là, j'ai laissé un peu n'importe quoi. Attends, ça je vais prendre. Ça, je sais pas pourquoi c'est là. Bon, il y a des trucs que je vais prendre en fait. Ah. Du coup, bah. Ça c'est mon claim. Voilà. Il y a mes sweet berries. Il y a ma ferme à Netherwart. Ou sinon en français à verrues du Nether. Ouais, des verrues. Là c'est ma ferme à kelp. Là. En même temps il y a. Là c'est ma ferme à kelp du coup. Et en même temps il y a ma ferme à canne à sucre. Là c'est ma ferme à bambou. Hein, ici, voilà. Ici, c'est un autre claim, en fait. C'est, ouais, du coup, il y a claim à côté. Et c'est celui de Claire 007-499. Et même qui m'a ajouté, vous, là, là, avoir un point, ok. Et voilà, j'ai plus qu'à casser. Et c'est pas mon claim, parce que quand je suis rentré, ça m'a dit que j'étais rentré dans le claim de Claire. Voilà. Et en plus, on s'est même donné un objectif. C'est bah, en fait de tout aplatir, de tout le bloc de son claim et de ça. Et bah, faire une ville. Pour l'instant, il y a ça. Par contre, là où il y a le lit, je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire avec les dalles, machin, truc. Hein? Et voilà. Pardon, les compostières, je crois qu'ils ont mis. Il y a ce coffre. Là, elle a plein de cookies. Les gens qui lui ont donné apparemment. Elle a des tonnes de cookies, hein. Les cookies en plus, ça donne presque pas de bouffe, ça donne que 3 de bouffe. Entre, je lag. Là, il est charbon. Aussi, j'ai mis des minecarts pour pouvoir aller au claim des autres, mettre ça plus facilement. Sauf qu'en fait, après, les minecarts, en fait, après, il repart, en fait. Enfin. Ouais. En fait, après, on y va là, par exemple, et qu'on va à ma base machin. Après, le minecart, il reste là. Ou quand on est là-bas et qu'il n'y a plus de minecart, après, c'est un peu chiant, quoi. Oui, j'ai essayé de trouver un autre moyen. Alors, il y a des trucs avec la glace et tout ça, mais ça coûte un peu cher à faire parce qu'il faut de la glace. Si je trouve un endroit où il y a de la pack ice, je pourrais en prendre. J'ai une pioche, c'est le touch. Bref. Là, c'est mes vaches et tout ça, là. Hein. Donc, la vache, là il y a tous mes moutons de toutes les couleurs du jeu. Stylé, hein. J'ai essayé de faire un peu comme l'arc-en-ciel, genre dans le bon ordre et tout ça. Bon, sur ce, par contre, j'en ai marre de laguer. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker avec un pouce bleu comme mon armure. Et le pseudo et mes outils et le trident. D'ailleurs, le trident est en dieu, c'est pas? Parce que je peux pas. Bon, du coup, abonnez-vous aussi. Allez, c'est la fin.